Camille Combal a accordé une interview à Pure Média mardi 11 juillet 2023 après avoir été élu animateur de la saison. Durant celle-ci, il s'est confié sur les étonnantes remarques qu'il pouvait recevoir de la part de certains internautes sur son physique. Comme chaque année, nos confrères de Pure Média ont organisé, en partenariat avec RTL, un grand sondage sur la télévision. Les internautes étaient invités à voter pour le meilleur animateur de la saison, la meilleure animatrice, mais aussi pour la meilleure émission, pour la meilleure pastille humoristique, la meilleure chaîne, la plateforme de la saison, etc. Lundi 10 juillet 2023, les résultats de Télévision Note ont donc été rendus publics et c'est la chaîne TF1 qui s'est imposée en grande gagnante. Et pour cause, sur 22 catégories, 13 résultats sont affiliés à la une. Elle a également été élue chaîne historique de la saison avec 37%. Et Camille Combal a pour sa part été élue animateur de la saison avec 23% des voix. À cette occasion, il s'est confié auprès de Pure Média ce mardi 11 juillet 2023. Le père de famille a tout d'abord tenu à remercier tous ses soutiens, « Je suis hyper surpris. Je suis trop content car si est-il le vote des gens donc ça me fait plaisir qu'il ait pris le temps de voter pour moi. Je ne gagne pas grand chose dans ma vie en termes de prix, de concours, de sport. Je ne suis pas trop un vainqueur. Donc dès qu'il y a un peu de win dans ma vie, je suis refait. Je le prends toujours avec le sourire. L'animateur de Danse avec les Stars a ensuite eu un petit mot pour son équipe qui le suit depuis ses débuts et qui ne l'a jamais lâché. J'ai des gens que j'ai rencontrés depuis mes tout débuts à la radio avec qui je travaille depuis 15-20 ans, que ce soit Antoine, Gabriel, Delphine, mon pote Abdoul, Fred. On n'est pas une grande équipe mais en tout cas on est une équipe soudée, si est avant tout le collectif qui prime. Malgré ses 23%, Camille Combal doit parfois faire face à quelques critiques sur les réseaux sociaux notamment sur son style d'animation ou sur les émissions qu'il présente. Des critiques qu'il entend. Bien sûr que je suis open. Ce que me dit ma mère ou quelqu'un qui me suit depuis longtemps sur les réseaux est tout aussi important que ce que va me dire le producteur de l'émission. Mais le plus souvent, c'est son physique qui est la cible des remarques. Dans la suite de l'entretien, Camille Combal a avoué qu'il était souvent pris à partie sur le sujet, par contre, sur mes tenues et ma coupe de cheveux, je prends cher. C'est marrant, dès que je mets un Marcel sous mon costard ou des baskets, on m'incendie. Encore pire si je mets un costard vert, là je suis terminé. Mon coiffeur s'est loupé cette année avant le premier prime de Danse avec les Stars, je me suis rasé à blanc sans faire exprès. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, il y a eu des mèmes et tout. Mais je le prends toujours avec le sourire. Dont acte.